nouveau numéro de votre magazine Entretien, fidèles téléspectateurs de Vainqueur Télévision et Héritage. De Vainqueur Télévision, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, certes, quand j'ai dit nous, c'est-à-dire que nous sommes en deux, il s'agit bien de Déborah Kiengé qui va devoir intervenir à la deuxième partie de cette émission. Et puis moi, Marie-Josée Ouali, qui est déjà là sur ce plateau, nous allons recevoir pour vous Maître Armand Loukeka. Vous avez toujours l'habitude de les suivre sur nos antennes, mais plus dans la politique. Aujourd'hui, il ne sera pas dans la peau d'un analyste politique, mais plutôt pour parler autour d'un sujet qui va nous intéresser. Bonsoir, Maître Armand. Bonsoir, madame. Je l'ai déjà dit sur nos antennes, souvent, vous passez comme analyste politique, mais cette fois-ci, vous avez changé les casquettes. Oui, justement. Justement, parce qu'il fallait revoir les choses autrement. Mm-hmm. À un moment donné, le social de notre environnement nous intéresse et qu'il est impératif qu'on réfléchisse comment trouver solution, même peu, dans ce qui nous entoure, avec nos semblables, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de capacité comme nous, comment pouvons-nous les aider? Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on reste éternellement en train d'analyser. Mais plutôt, il faut à un moment donné réfléchir comment faire. Voilà, réfléchir comment faire. Aujourd'hui, nous parlons de Congo au Mutuel Asbel. Oui, il s'agit bien, tel que vous pouvez en lire un sur nos affiches, et c'est juste derrière moi. Congo Mutuel Asbel, amour, assistance et aide. Alors, Maître Armand, il s'agit de quoi déjà? Congo Mutuel Asbel, c'est quoi? C'est ce concept. Oui, Congo Mutuel Asbel, c'est une mutuelle. En réalité, comme ça se dit, comme je l'ai conçu, c'est en imaginant sur plusieurs problèmes réellement du pays. En réalité, les réalités que traverse le peuple pour l'instant, depuis un certain moment, nous disons presque un peu bloqués puisque nous attendons que d'un seul coin. On attend qu'il y ait la pluie de la manne par la politique, ce qui est impossible. Et on a imaginé que dans d'autres pays, dans d'autres États, le peuple se constitue dans des structures associatives pour s'entraider. Raison pour laquelle une structure associative telle que pareille, ce qui est conçu dans l'esprit d'une mutuelle, c'est-à-dire des personnes réunies pour venir créer des activités d'aide, d'entraide, d'amour, d'assistance, d'assurance, hein, par leur propre cotisation. C'est ça alors, Congo Mutuel, ça veut dire les Congolais unis pour résoudre un problème qui leur concerne personnellement. Nous ne sommes pas là unis pour résoudre le problème des autres. Mm-hmm. Quand on va s'unir, c'est pour résoudre nos propres problèmes en tant que Congolais. Mais d'où vous est venue l'idée? Certes, on vous connaît sous d'autres casquettes, mais qu'est-ce qui vous a motivé de créer cette Asbel? En dépit de l'analyse que je viens souvent, dont vous m'appelez souvent pour donner sur le plan politique, juridique et ailleurs, mm-hmm. je suis un serviteur de Dieu. Et que cela me revient à penser souvent en disant, bon, si aujourd'hui moi j'ai 500 $, je ne saurais même pas distribuer à toute mon avenue. Donc je peux peut-être donner ce que j'ai de meilleur, c'est mon intelligence, c'est le sacrifice que je vais éprouver pour aider l'autre dans ce que je connais. Et étant avocat, je me suis dit, je commence en premier lieu de rassurer aux membres de ma mutuelle, aux membres de Congolais qui vont adhérer dans ma mutuelle, qu'ils ont d'abord la première garantie, c'est mon expertise personnelle, comme avocat qui acceptera de les assister gratuitement en justice, s'ils sont membres. Et deuxièmement, j'ai associé aussi deux amis qui ont des expertises sur le plan médical, que nous n'avons rien à donner à nos petits pauvres, peuples pauvres, sinon de leur donner ce que nous avons comme intelligence. Et c'est pourquoi nous avons ajouté la santé et nous avons aussi l'expertise de ceux qui ont fait l'économie pour dire, voilà, on ne peut émerger sur le plan commercial avec nos débrouillards, avec nos vendeurs ambulants et les vendeurs de pain que par l'épargne. Raison pour laquelle nous avons fait cet ensemble, cette synergie d'expérience, cette synergie d'intelligence pour que nous puissions aider le Congolais à s'en sortir de sa situation.
Voilà, pour devoir aider le Congolais à s'en sortir, bien sûr, là, je vais laisser la place à Déborah Kingué qui va devoir nous parler de cette vision avec ceux-là qui ont déjà adhéré chez Parti. Oui, exactement. Bonjour Marie-Josée Oualé. Bonjour aux invités sur le plateau. Bonjour également à vous tous qui nous suivez et depuis Kinshasa. Nous sommes bel et bien là dans cette émission Entretien, qui reçoit une petite délégation de membres de l'ASBL Congo Mutuel. Alors, moi j'étais sur terrain, Marie-Josée, pour prendre les réactions ou bien pour mener une petite enquête hein, sur cet ASBL, sur cette association sans but lucratif. J'ai donc rencontré les membres effectifs de cet ASBL. Ils nous ont expliqué comment ça se passe, comment ça fonctionne, que faire pour adhérer à cet ASBL, comment ça fonctionne, oui, et je l'ai dit, et pourquoi adhérer à Congo Mutuel. Mutuelle ASBL. Toutes ces questions, bien sûr, trouvent leur réponse dans cet élément que je vous propose de suivre. Oui, ça, pour la banque Congo, et ça, pour aider la population. Avantage à Congo Mutuelle, c'est que ceux qui sont membres, ils s'adhèrent, ils ont fait sa cotisation régulièrement. Congo Mutuelle a fait sa assurance santé. Et à couper ça, à assister au cas où on a un problème de la justice et aussi à appeler sur possibilité et à pouvoir épargner. Congo Mutuel, nous sommes là pour aider les petits peuples, pour aider les gens qui ont des problèmes de moyens. Alors, pour devenir membre de ces mutuelles, il faut payer 2000 francs de la carte et après tu deviens membre. Après, tu vas commencer à cotiser 500 francs par jour, soit 2500 par semaine, soit 10 000 francs par mois. Et si tu fais cela, en cas de maladie, nous allons payer votre facture. En cas de la justice, nous allons vous donner des avocats pour vous défendre. Et si vous voulez épargner n'importe quel montant, nous sommes là pour recevoir ça. Et garder ça dans notre compte bancaire Congo Mutuel. Et le jour où vous venez retirer, on va tout vous donner. Nous n'allons rien déduire, c'est ça. Moi, je suis venu à la conservation de Congo Mutuel pour une assurance. Tout ça, problème. Tout ça, dans le Congo Mutuel, ça veut dire que ceux qui n'ont pas adhéré pour l'assurance, ceux qui ont eu problème, ils ont un avocat qui a eu fait pour l'assemblée. Ceux qui ont eu un peu, ils ont eu un Congo Mutuel est soutenu, ils ont eu foutu un frein, surtout il y a malades partout où ils ont eu un peu, ils ont eu un hôpital, surtout ils ont eu un peu. Et que ce niveau hôpital, le Congo Mutuel est en charge gratuitement, pour soigner surtout, ils ont eu un peu. En plus, pour la paix épargne, merci bien, Déborah Kingué. Maître Armand, vous venez de suivre avec nous ceux-là qui ont déjà adhéré, qui ont réagi au micro de Déborah Kingué. Alors, reviens directement ici avec vous parce que vous êtes visionnaire de cette mutualité. Là, lorsqu'on a suivi hein, les interventions, on a senti qu'il y a trois objectifs et vous assistez le membre de Congo Mutuel ASBL quand il s'agit de la justice. Comment cela se passe? Oui, madame, nous sommes en train de regarder, même sur le plan politique, même sur le plan divin, même sur le plan religieux, et sur le plan social et judiciaire aussi, il n'y a pas un peuple qui se sentirait libre au monde s'il n'est pas assisté. Chacun de nous a besoin d'une assistance, en n'importe quel secteur. Et la constitution de la RDC le reconnaît à son article 19 aussi, que chacun de nous a le droit d'être assisté en justice et dans toutes les instances judiciaires, même dans les instances de sécurité. Et qu'aujourd'hui, si l'État dit que tout le monde a le droit d'être assisté, ce droit-là ne peut pas être discriminatoire pour dire qu'il n'y a que de riches qui ont droit à l'assistance. C'est-à-dire que même les pauvres ont droit à l'assistance. C'est pour cette raison que vous verrez dans d'autres États que nous envions aujourd'hui, l'État a ses propres avocats qui les donnent aux pauvres, aux démunis et aux personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de frais pour payer les honoraires des avocats, c'est l'État qui paye en lieu et en place de ces gens-là. C'est-à-dire que ce droit est exercé en toute
l'égalité en toute égalité. Pauvre ou riche, tout le monde a droit d'être assisté. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, étant donné que la justice est parmi les éléments stabilisateurs d'un État, nous avons dit non, mais il est aussi important que dans notre mutuelle, nous puissions rejoindre notre constitution en équilibrant cette assistance. Si quelqu'un n'a pas de moyens et qu'il est membre de Congo Mutuel, il a droit aussi d'être assisté en justice par les avocats de Congo Mutuel, qui agiront en toute liberté, puisque le droit congolais autorise et la constitution autorise que les Congolais soient assistés en justice. Et nous vous donnons l'avocat, ce n'est pas pour que toi tu viennes le payer les honoraires, toi membre. Le membre ne paye pas les avocats que nous lui confions. C'est Congo Mutuel qui paye les honoraires et les vacations des avocats qui assistent nos membres. C'est pour autant qu'au travers le principe de la mutualité qui voudrait que le membre s'unisse par une cotisation, c'est par cette union des cotisations que nous nous prenons en charge les avocats et qui assistent tout le monde. Voilà, là je dois prendre Déborah Kengé qui est de l'autre côté, elle est avec nous en ligne. Déborah, vous pouvez déjà poser votre question. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci Marie-Josée Wallé pour ce relais. Alors moi aussi j'ai quelques questions à poser aux invités et qui sont donc avec toi sur le plateau. Donc à celui qui se sent prêt peut répondre. Nous avons lu avec beaucoup d'attention les trois principes sacro-saints qui font donc l'objet de l'ASBL Congo Mutuel. Entre autres, vous avez un service d'épargne gratuit, vous avez une assistance sanitaire gratuite et puis vous avez également une assistance judiciaire gratuite. Ma question est la suivante. Quand vous parlez de l'assistance sanitaire gratuite, à quoi vous faites allusion exactement? Vous faites allusion à l'achat de médicaments? Vous faites allusion à la prise en charge? Ou bien vous faites allusion à l'accompagnement? Ce qu'il faut retenir, Congo Mutuel a aussi, en lisant, toujours dans la loi de la RDC, parce que nous avons dit que nous avons reçu ce pouvoir et cette substance d'exister, c'est par la Constitution et les lois de la République. Nous ne pouvons pas créer une mutuelle qui est contre la loi. Pour autant que la République voudrait que la santé puisse être un accès à tout le monde. Quand la santé est accessible à tout le monde, c'est-à-dire le soin sanitaire est accessible à tout le monde, l'État réussit sa mission providentielle d'aider son peuple. Et à ce moment-ci, l'État est dans l'impossibilité d'assurer les soins médicaux et de rendre les soins médicaux à tous les Congolais, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas aller faire même des examens, mais pas aller prendre de soins, de traitements dans les hôpitaux, puisqu'ils n'ont pas de moyens. Or, ce qu'ils ont tout le jour constitue une substance importante pour leur prise en charge. Dans d'autres pays aussi, il y a des mutualités qui maintiennent l'état de santé, les contrôles sanitaires de ses membres. Raison pour laquelle nous avons copié ce qui est utile afin que le Congolais en profite avec peut-être 500 francs qu'un Congolais peut avoir par jour. Il peut assurer son état sanitaire en y cotisant dans une mutuelle par jour. Avec 2500 francs la semaine, un Congolais peut déjà assurer son état sanitaire en cotisant dans une mutualité comme Congo Mutuel, pour que tout le monde ait accès aux soins médicaux, tout le monde ait une assistance médicale capable de lui donner une assurance de prolonger sa vie. On ne veut pas que quelqu'un qui puisse mourir pour du motif de typhoïde, par exemple, puisqu'il n'a pas eu l'argent pour aller faire des examens, pour savoir de quoi il est question, mais néanmoins, à partir de Congo Mutuel, qui appelle le peuple congolais à venir adhérer nombreux, avec le peu qu'ils ont, avec le peu qu'ils détiennent comme fonds, avec le peu qu'ils obtiennent par jour, quelqu'un peut assurer déjà son état de santé, sa marche sanitaire, avec beaucoup de garanties d'assurance. Parce qu'il suffit seulement que tu sois en règle avec la cotisation, automatiquement vous êtes appelé à avoir des soins de santé dans les hôpitaux où nous sommes affiliés. Et ce sont des cliniques et des hôpitaux qui ont des mécanismes de traitement valables et capables d'assurer et d'assumer vos responsabilités sanitaires.
et même les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui sont membres au niveau de Congo Mutuel sont aussi prises en charge sur le plan de maternité aussi. Donc, il ne faut pas aller faire des avortements pour dire que je n'ai pas d'argent, j'ai eu la grossesse. Mais si tu avais déjà été membre de Congo Mutuel et que tu as fait une cotisation de plus de 2 mois et que vous êtes grosse, sachez que vous êtes dans une catégorie de membres à protéger et que vous avez la maternité gratuite sur le plan sans intervention. C'est-à-dire une maternité normale gratuite et tous les examens prénataux, vous allez le faire sous votre cotisation comme membre de Congo Mutuel. Voilà, je reviens toujours par rapport à la question de Deborah Kengé et j'aimerais un peu savoir, vous avez dit pour une femme enceinte. Oui, et d'abord, avant, vous devez d'abord nous expliquer comment devenir membre, parce que pour bénéficier de tout ce dont vous venez de nous dire, il faut d'abord commencer par devenir membre. Alors, quelles sont les étapes à suivre pour devenir membre de Congo Mutuel HBL? Non, ce n'est pas compliqué, Madame Marie-Josée. Pour être membre de Congo Mutuel, simplement, une adhésion est presque gratuite. C'est d'abord un problème de volonté, un problème d'appréciation des objectifs que nous avons. Si tu veux adhérer et avoir une carte de membre, vous venez vous l'acheter à 2000 francs congolais. Pour la première catégorie de membres, cette carte-là a une durée d'une année renouvelable. Vous avez 2000 francs, vous déposez, vous remplissez la fiche qui constitue un contrat mutualiste et vous, on vous délivre une carte. Même si vous n'avez pas de photos, on va vous prendre des photos sur les lieux, hein, au bureau du Congo Mutuel, et on vous sort là, votre carte. C'est avec cette carte-là que vous aurez accès dans tous les services, que vous aurez accès dans tout ce que Congo Mutuel réserve à ses membres. Ma seule condition, d'adhérer dans la cotisation. Quand vous adhérez comme membre, vous êtes soumis à une cotisation mutualiste qui est de 500 francs le jour. De 500 francs le jour, pour autant que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça constitue 2500 francs la semaine que l'on peut déposer comme cotisation afin que vous bénéficiez de tous les services réservés aux membres réguliers du Congo Mutuel. 10 000 francs le mois. Parce que là, vous multipliez 2500 fois 4, ça fait 10 000 francs le mois. Vous êtes dans la catégorie de membres réguliers et partout, votre nom va être enregistré dans les hôpitaux, comme dans le cabinet d'avocats avec qui nous sommes affiliés. Nous sommes abonnés pour que vous ayez une assistance au moment voulu et à tout moment. Quelqu'un qui donne 10 000 francs le mois et vous l'assistez juridiquement? Parce qu'on sait que dans notre pays, pour trouver des jeunes avocats, c'est un peu compliqué. Il faut donner plus de moyens. Ça, c'est un cadeau que vous offrez à la population. Bon, au Kino, parce que nous sommes ici à Kinshasa, parce que je ne sais pas si la vision sera dans d'autres... Si vous allez amener la vision dans d'autres provinces. C'est pour... Oui. Le Congo Mutuel est en train d'aller partout. C'est dans tout le Congo. Pour ceux de Lubumbashi, c'est bientôt. Pour ceux de Goma, Bukavu, c'est bientôt. Donc, nous sommes en train d'installer le Congo Mutuel partout au Congo. C'est une ambition nationale pour aider, parce que les gens qui souffrent ne sont pas que dans ce pays, dans cette ville de Kinshasa. Alors, je vais vous dire encore une chose, madame, ce n'est pas que pour avoir un avocat, c'est compliqué. Je vous ai dit, nous n'avons pas étudié pour venir rester millionnaire avec notre propre intelligence au milieu de tous les pauvres. Qu'est-ce que ça servirait d'être un seul millionnaire parmi tous les pauvres ? Et que de prendre son intelligence, mettre aussi au profit des autres, afin que vous puissiez émerger ensemble. Quand nous parlons de gratuit, c'est puisque les 10 000 francs que vous donnez ne peuvent pas non plus vous donner un avocat, même pas le transport d'un avocat, mais vous avez la chance que quand vous avez une régularité de 2 mois, parce que déjà quelqu'un peut avoir un problème aujourd'hui, Ayeka Mbalamoko, il perd 10 000 francs, l'obi a bengi au téléphone, n'a pas un avocat. Non. Ça. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient verser 10 000 qui bénéficie automatiquement après versement, non. Puisque nous regardons 2 mois après la cotisation. La personne est régulière. Il s'est déjà confirmé membre. À 2 cotisations, 3 cotisations, celui-là en bénéficie totalement. Mais pour l'instant, comme le Congo Mutuel est encore au début d'offrir le service, au moins, nous faisons des sacrifices pour des cas exceptionnels qui ne manquent pas.
Nous assistons tantôt des gens qui viennent, ils paient sa cotisation une semaine après, ils vous appellent, on m'a envoyé une convocation. Mmh. Moi-même, je me suis transporté 2-3 fois. Oh là là. Vous comprenez ? Pour assister, enfin, de le conscientiser, que ce n'est pas ça, en fait. Mais comme tu as appelé et que tu as eu la volonté de venir au niveau de la mutuelle, je ne te déçois pas. Au lieu que j'appelle quelqu'un autre, moi-même, le président, je viens. Ouais. Et j'ai assisté. Mm-hmm. Vous comprenez ? Donc, les exceptions ne manquent pas. On apprécie toujours le cas. J'ai un cas d'un vieux, il a adhéré, il a cotisé 2 mois, mais il ne nous a jamais dit que c'est quelqu'un qui vit avec l'AVC. Et il a appelé qu'il était malade. On a donné l'adresse de l'hôpital, il est venu à l'hôpital, le médecin le consulte. Non, ton problème, ce n'est pas le problème du premier degré. Et Congo Mutuel ne prend pas en charge de cas de spécialité. Les AVC, les maladies chroniques, non, nous ne prenons pas en charge ça. Et j'ai demandé au docteur qu'on lui fasse un examen général de malaria, de typhoïdes, de tout, afin qu'on lui donne des produits quant à ceux, mais au moins son cas spécial reste... Nous ne prenons pas en charge. Est-ce que vous avez déjà signé quelques contrats avec des hôpitaux? Parce que déjà, envoyer quelqu'un, il faut déjà être quelque part. Oui, oui. Nous avons aujourd'hui pas moins de 5 contrats déjà avec 5 cliniques et hôpitaux de la ville. Mm-hmm. Nous sommes en train de rechercher partout parce que l'ambition, elle est tellement grande. Au moins, nous voulons que tous les Congolais qui sont dans toutes les provinces adhèrent et tous ceux qui sont dans tous les districts ici à Kinshasa adhèrent. Donc, on est obligé de trouver les hôpitaux dans tous les districts, dans toutes les communes, pour que ceux qui sont dans ces communes-là trouvent moins de temps à arriver au centre où ils peuvent être pris en charge. Mais si quelqu'un qui est, par exemple, à Kimbaseke, il veut quitter Kimbaseke pour venir prendre le soin à Gombe, déjà, le transport le coûte. Donc nous sommes dans l'obligation maintenant, nous sommes en train de travailler avec mon équipe et le coordonnateur qui n'est pas ici, qui est empêché, qui est en train de rechercher des contrats partout avec des hôpitaux et des centres de santé capables de donner des soins appropriés à nos membres. Et avant que nous on signe un contrat, nous avons toujours l'expertise avec notre médecin chargé de la coordination de santé, qui est aussi un médecin traitant, qui passe pour vérifier la viabilité des centres de santé avec qui on veut contracter. Donc, c'est de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, merci bien, Déborah Kengue. Je te vois bouger, tu demandes la parole. Alors, je te laisse poser votre question. Voilà, merci Marie-Josée. Une fois de plus, nous sommes de retour. Et puis, nous poursuivons avec nos questions après avoir parlé du plan sanitaire qui fait partie de 3 principes sacro-saints de l'ASBEL Congo Mutuel. ASBEL, voilà, tout justement, nous allons... Et à présent, nous intéresser à l'épargne, puisque ça fait partie de vos objectifs. Alors, c'est quoi une ASBEL? Surtout quand vous vous référez à un service d'épargne. Ce n'est pas une entreprise, en d'autres termes, Congo Mutuel ASBEL. Merci, madame, pour ta question. Mais que l'on sache, le dossier d'épargne, c'est un dossier très, 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 très risquant et les gens trouvent ça un peu... pénible quand on y parle, puisqu'il s'agit de l'argent. Nous avons inséré cet objectif dans notre mutualité. C'est pour faciliter, en fait, l'avenir de jeunes gens, l'avenir des vendeurs ambulants, l'avenir de motocyclistes, mototaxis, de motos, tous ceux qui font de commerce ambulant, des mamans vendeurs de pain et vendeurs de gâteaux, de beignets et consorts, tout ça. Donc le petit commerce en général en RDC, tout ce genre de petits commerçants ambulants n'ont pas d'assurance. N'ont pas de certitude dans ce qu'ils font, n'ont pas d'avenir. Et que nous avons prévu que, comme nous pouvons le prendre en charge sur le plan judiciaire, comme nous pouvons le prendre en charge sur le plan sanitaire, nous pouvons aussi le prendre en charge sur le plan d'épargne à leur demandant de venir ouvrir le sous-compte dans notre compte et qu'ils vont épargner leur argent tout le temps qu'ils vont contracter avec la mutuelle et le jour du retrait de cet argent, nous n'allons rien retirer comme pourcentage de retenue de compte. Chacun qui épargne 100 dollars, il le retire 100 dollars. Nous n'allons même pas retirer 0,5 pour dire non en titre de retenue de compte. Non. Chez Congo Mutuel, nous voulions aider les jeunes gens qui... 2 mois de service, un seul jour il tombe malade,
tout ce qu'il a épargné durant 2 mois tombe automatiquement avec cette maladie. Et il ne sait pas comment se reconstituer ou reconstituer un début commercial pour relancer ses activités, pour relancer son commerce. Mais déjà, quand tu es déjà pris en charge, sur le plan judiciaire, tu as des démêlés en justice, tu appelles les avocats, viennent, tu ne le payes pas. Tu as un problème de santé, tu as des soins de santé gratuitement. Tu as un problème en justice, nous venons vous assister. Déjà, même avec votre épargne, vous pouvez déjà émerger, vous pouvez grandir votre commerce et vous pouvez évoluer pour que 2 ans après, que vous soyez dans un équilibre commercial capable de décider sur votre sort. Donc voilà pourquoi nous avons imaginé qu'en dépit du social que nous pouvons mettre au profit du peuple, il y a aussi question de rassurer à celui-là son avenir sur ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons inséré cet objectif d'épargne gratuit qui voudrait tout simplement dire c'est un contrat qui s'annexe sur les assistances. Nous vous assistons sanitairement et judiciairement, mais vous venez annexer un contrat d'épargne que vous allez signer en disant que je signe pour 6 mois d'épargne. Et pendant les 6 mois d'épargne, je vais commencer à déposer chaque lundi 100 dollars. Et quand vous déposez votre argent, vous voulez le récupérer, vous annoncez le retrait. Ou 2 semaines avant le retrait, avant la fin du contrat, vous rappelez au service qui fait la demande de retrait de votre fonds et vous le remettre en totalité. Donc vous n'aurez rien constaté, vous n'aurez à constater même pas un franc retenu par le Congo Mutuel. Voilà pourquoi nous disons que non, l'épargne est gratuite. C'est pour aider le Congolais à se constituer, à s'émanciper commercialement, même dans leurs petites activités. Le Congolais est appelé à grandir. On leur donne peu de crédit. Quand vous voyez le système de crédit bancaire en RDC, c'est une culture tellement grande que les personnes qui sont au bas de l'échelle, le petit vendeur de cacahuètes et des vendeurs de pain et tout, ils ne peuvent pas aller prendre de crédit. On ne leur donne pas de crédit puisque c'est un commerce qui n'a pas assez d'assurance pour la banque. Et maintenant, nous disons que non, même si on ne veut pas leur donner de crédit, mais lui-même, en faisant déjà son petit commerce, a coquille qu'on épargne décider que n'a changé commerce n'a longuement n'anguba n'a comme peut-être kusala côté kama papa ou bien n'a longuement papa n'a comme côté ka bilamba ou bien n'a longuement bilamba n'a bandeau kusala biloko musus. C'est à cela que nous sommes appelés à soutenir le peuple en dépit de l'assistance au toujours plus abango. Nous soutenons bah petits commerçants, bah vendeurs ambulants, bah chayeurs, bah coopérants, ba mama ya mapa, ba mama ya mikate, ba tunyos o ba koki kusala épargne pour que baya après autant de mois ba ko retrouver équilibre na bango. Et c'est comme ça que nous avons inséré l'épargne na cadre ya mutualité. Et maître, toyebi ki na kati ya mboka na biso makambo ya ba épargne eza ba sujet moko elekisaka bato toujours na suka. Et belé pe to mona pe ba banque musu se bota mpe na kati mboka na biso boya bo épargné ba to ba ya pe ba tsa pe ba mbongo ensuite ba limo kaka bongo dalinga mpe na ye ba assurance nini ngo oyo zo pesa na ba kino na ba téléspectateurs nyonso ba zola na biso na ngonga oyo o ba koki vraiment komi lo belé ah ti akato kende qu'est-ce qui différencie Congo Mutuel ASBL na ba ma banque nous soutient autrement. Bien sûr que vous avez banqué, mais dans mon cas, vous avez épargné, vous avez tout le bacan des bombes. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous différencie dans votre soutien? Non, d'abord. Est-ce que vous avez pensé à la quinoa ou à la bise dans mon cas? Non, ce qui est beaucoup plus différent, c'est que d'abord, par moi-même, je suis très différent des banques. Parce que je suis Congolais, je suis avocat. Je suis un apôtre de Dieu. Et ayant pensé, je vous ai dit que Toye ko annexé épargne pour aider une catégorie de personnes. Parce que catégorie wana ndingai souci na biso ezala ki beaucoup plus na komona ka bango quelqu'un peut rouler avec une moto durant 5 ans. Azaka ka moto. Ce qui motard ne bazobe na bango. Il est toujours sur une moto durant 5 ans. Pour nanine Azosa l'activité non pour avancer, mais pour nakolia. C'est-à-dire, il y a sali par jour, allié, fin du mois, foutinda, ce qui est moi, nanaya, belli, à traiter,
et 6 lits, il revient sur la même moto. Et prenons l'hypothèse, comment on peut aider Mutuya Ndengwana pour qu'elle stabilise le futur à venir naïe. Biso toza banqueté, toza mutuelle, autant que nous aidons les, uniquement les membres. Toza kubenga épargne pour la Mutuya za membre te. Uniquement Mutuya déjà comme membre na biso ou toza na posé à kosalisa, to kosalisa ye na kobombela kai mbongo naye pour rassurer son avenir. Mais nous lui disons que kobomba toza bomba mbongo na yo. To kolongola même pas un franc. Parce que vous êtes déjà membre na biso. Vous allez ko cotiser kati na mutuelle. Ce qui est tiki ko cotiser. Wanande mukulu ya retrait ya mbongo na yo, Congo mutuelle a kosa la soustraction il y a autant de mois oyo o cotisaté. Mais ce que vous allez ko cotiser, assurance ya liboso ya ngo wana o kozwa mbongo na yo mobimba. Tozo pesa ba intérêt té. Différence les habits sont à bateau, bah y a qui cause un bongo à bateau. Mais surtout y a quoi, c'est autre que y a quoi tient bongo pour avoir intérêt. T et pas n'habits sont intérêts à T et pas n'habits sont plutôt défis à bateau bongo T. Juste car qu'on bombe la bongo. Toujours défis à bateau bongo T, toujours pèse à bateau bah intérêt T. Au salim ou salaté, au tika 100 dollars, l'objet comme à 500 T. Soit qu'on commis membre et qu'on tika kamapa. Ok, qu'on va non, gai. Olé na bomba kambongo na ngana ndako. Bobombe la kangana na mituelle ou si kangana na ye déjà kubotama. Pour ça, la famille. La mutualité, c'est une famille. Famille o na ye kubotama oyo na dingi bobombe la kangambongo oyo. De toujours rassurer déjà que ce qu'on a na moi commerce na yo et que l'ingi o émerge. Ye ba déjà que ma kambo Italie prise en charge ya santé. Tokozo yango. Ma kambo Italie ma kambo ya justice. Tokozo yango. Alors, ce que tu as au matin, au foot, tu as dit que l'hôpital était, mon lingue commerce n'a pas de libosso. Tu as dit que tu as épargné. Pour que tu aies une dépense inutile, tu as épargné. Tu as dit que tu as épargné. Et maître, na kaya dese, par exemple, tu as bomba qui m'a épargné et tu as la carabine. Est-ce que bino vous avez la bonne volonté et comment la famille wana ko yisa bon que de kona bino pe abandai ko bon maman mkene pe yangoyo ke belé pe to mona pe ba mbongo ngoso mutakufi mbongo nyo se tika na banque surtout soka lo bakite lo hôtel la banque ba kino luka biso toza banque té bino vos amis mutuelle mutuelle c'est-à-dire mutu nyo so o ya za adere na mutuelle ko kufa na ye biso to koyeba puisque ndenge toza bo par exemple na matadikibala tuza na point focal na biso matadikibala na masina ya point focal na masina tuza na repertoire mobimba repertoire ona ezana mise en jour nango tango zo ya kwadere tuzo zo un numéro et adresse uzo comprendre uzo tika na numéro na téléphone na adresse na yo au travers liste ya point focal ce que tobiba to masina on actualise les listes wana conformément à la cotisation à Batou, dès que vous avez cotisé chaque fin de mois. Moutou a cause la cotisé qu'en mois d'avril, mais mois de mai a cotisé. Donc, dans la liste où on a mois de mai, comment on a cotisé? Pourquoi? Parce que à quoi qu'on bénéficie, bah, soin à moi en a été. Mais il peut venir cotiser dans le mois de juin. Donc, réactualiser liste qui a commis régulier. Parce que quand vous dites 10 000 francs le mois, pour n'a pas au bazar déjà habitué à couper ça. C'est-à-dire, et comme on a une habitude, ce qu'a zopé sa liste, comme on a eu un liste, et en cas de problème, ce qui a couvert par exemple un accident, certainement que tu couilles pas. Attends, tu y es bien loté. Tant que tu couilles pas qu'il y a un membre qui est décédé d'un accident, hein, tu en as deux voies. Tu as quoi assister suivi, il y a l'Iwan aillé par accident judiciairement, puis tu as lié quoi assister, ce qui a épargné qui en réalité. Coupé ça va membre n'a pas une fiche n'a pas une cotisation. Okay. Voilà fiche n'a pas cotisation. Voilà fiche n'a pas épargne. Il a épargné autant. C'est temps aux autres déposer bongo. Toi tu signes et notre trésorière aussi signe. Alors quelles sont les actions que vous menez déjà sur terrain depuis que Congo Mutuelle Asbel les a déjà en marche? Non, Congo Mutuelle n'est pas un parti politique pour les actions, mais néanmoins ce sont les membres qui doivent témoigner. Ceux qui bénéficient de services au Bissot Ozali pour présenter nos membres. Les membres qui bénéficient de cela sont ceux qui témoignent, comme vous avez entendu, que non, ils sont là en train de bénéficier d'assistance. J'ai assisté des colonels, des majors, des policiers en justice.
ou non, parce que Bayaki qui adhéré, c'est un membre de Congo Mutuel. Un policier, Bazali, un membre de Congo Mutuel. Je t'ai donné le cas. Il y a bateau qui a besoin de soins dans l'hôpital, dans le bateau. Il continue à avoir soins. Comment se fait le soin? Je commence par là. Tout ça, dans la catégorie mi-balé, il y a une prise en charge dans l'hôpital, dans le bateau. Tout ce qui a besoin de soins sur le plan d'examen, traitement, hospitalisation, ordonnance et zayayo. Ça, c'est la première catégorie. Vous achetez le médicament, vous venez, on vous traite gratuitement. On vous a fait déjà les examens gratuitement. Le soin, hospitalisation gratuitement, sauf l'ordonnance. Mais tout ça, la catégorie Moussous, Oyo Bazali, et l'ordonnance, et tout le soin, les examens, tout ça, ça se paye par nos hôpitaux. Cela, c'est une catégorie exceptionnelle. Par exemple, aujourd'hui, une entreprise qui voudrait adhérer dans notre mutuelle avec tous ses personnels. Parce qu'on a besoin de la prise en charge complète. Nous n'hésitons pas. Il y en a déjà. C'est-à-dire, vous cotisez sur la convention privée que nous allons signer avec vous et vous allez ajouter, puisque chez vous, c'est une prise en charge complète, pour que Jean Nabino, Babandakozoa, et le traitement, et les médicaments, et les examens, et l'hospitalisation, et le soin gratuitement. Et là, l'entreprise sait qu'au moment où un agent a un problème, par exemple, Moutou Azo, Tamsa Moutou Kanayo, Babeti Yenanzela, les avocats des Congo Mutuel vont assister ton personnel, agent au place Azana Nbeba, au place Bakangiye. Donc, tout ça agir, dans le moment où Yazana Moussala couvert par vous, l'entreprise, ce sont les avocats de Congo Mutuel, là où vous avez adhéré, qui prennent au Bazozo en charge circuit à Bajan Abinounios. Attends, un supermarché. Soke Akweyi, avec une fièvre, au moment du travail, vous le transportez, vous l'amenez au centre de santé de Congo Mutuel. Ok, voilà. Et du côté justice, je dis, c'est un élément important, mm-hmm. Congo Mutuel a en charge par infraction intentionnelle. Tu vois, à un moment donné, au Yébi, le téléphone est en train de se faire. Soke Akweyi, au Yébi, combien de sauter. Ce qu'on a violé, moi, il y a mineur, combien il a sauté. Ce qu'on a dit, on a moins à bateau, combien il a sauté. Donc, des éléments, il y a des choses fautives, ou ça, il y a intentionnellement. Dans la conscience, dans l'union, combien il a sauté, quand nous trouvons un tel cas, on a un bateau, il y a tu nous appelles pour que tu nous défendre, tu nous 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 aimons pour défendre bateau, oyo. Bazali n'a point de faiblesse et qui n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de substance. Il y a qu'aucun dans le cabinet pour qu'il ne soit pas avocat. Au moment où ça coûte cher, nous ne sommes pas là. Quand il y a un conflit, il y a une succession et pas un abissoté. Tout ça, dans le pango, il y a un abissot, il y a adhérer dans le Congo Mutuel pour qu'il y ait un salaire de sangai. Non. Non. Puisque ce sont des conflits où ils ont généré un avenir pécunier. Alors, ceux qui sont au milieu qu'on a un conflit à la succession, donc automatiquement, quand tu seras payé des millions, Congo Mutuel aura du mal à te taxer. Okay. Il faut consulter le cabinet d'avocats au foutu peu honoraire, puisqu'ils ont un dossier où ils ont Simanango, il y a de l'argent. Voilà, merci bien, Maître Armand, et merci aussi à Bandeko, au Boya qui peut accompagner le président. Merci, Nabino. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci également. Nabino Bayenyon, so bozoa ki libako malamu, yakola na biso, na poko alelo, na kont ya magazine Nabino, entretien. J'y rappelle que tu yamba ki maître Armand Lokeka, ou yaza président, ya Congo Mutuel Asbel, ou bozomo na, na Bidilingi, yaza association, ou yaba Congolais, ba vandi, pour que baye ba ko comment, ko sunga, biso bande ko mususu, na ba problème ou etali. Justice, santé, paix, na épargne. Je crois bien que Bolanda qui adresse nous son élément Oyo de Mourin qui est qui a quitté sur terrain pour la Koussouana Bandeko Boyoka qui Ebana qui n'a coupé sa adresse, Ebana qui peut n'a coupé sa paix, numéro et téléphone. Alors, Binope ba obozo la nabiso na bandaku, so boza mituna, kotuna par rapport à Congo Mutuel Asbel, ba numéro Zawana, bo benga, bo koma, so boza mituna, toko komisa yango, et pa ya président, pena ilongo na
équipe na Mobima bakoyeba na ko répondre na ba question na Bino. Alors je dis merci à toi Deborah Kenge qui était avec moi, même si tu n'étais pas sur ce plateau, mais tu étais en ligne avec moi. Alors Deborah Kenge, je te dis merci. Voilà tout pour aujourd'hui, Marie-Josée Wallé. Merci à toi. Merci également aux invités sur le plateau. Merci et à vous tous également qui nous suivez depuis Kinshasa. C'était bien là. Deborah Nkengue pour le compte des HV Télévision. Merci bien. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.